On se retrouve ici, toujours au chapitre 1er, verset 39. Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste, Marie est enceinte de Jésus. Et Marie va rendre visite à Élisabeth et elles vont se saluer. Et c'est très intéressant parce que ça dit ici, au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Il y a une très belle pensée pour nous ici aujourd'hui. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous croyez en Dieu, vous portez Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en vous. Même Paul va parler à une église qu'elle porte Christ. Il va parler même des douleurs de l'enfantement, vraiment, nous portons Christ en nous. C'est biblique du Nouveau Testament. Mais vous portez Christ partout où vous allez. Vous l'amenez au travail, au club de sport, vous l'amenez dans votre famille, vous l'amenez partout où vous allez. Christ vit en vous. Et même s'il paraît peut-être silencieux, même si parfois pendant que vous travaillez, tu peux être dans un bureau en train de faire de la compta, ou être servir un client, ou être dans une salle d'école, parce que tu portes Christ en toi, il y a un témoignage, il y a quelque chose, il y a une onction, il y a une puissance. Et l'enfant, Marie portait Christ et le bébé, Jean-Baptiste, en Élisabeth, fut remué. Vous savez, il y a des gens autour de nous qui eux aussi portent quelque chose en eux. Ils ne portent peut-être pas Christ, mais ils portent un cœur pour Christ. Ils ne sont peut-être même pas encore nés de nouveau, mais ils sont inclinés, ils cherchent Dieu. Ils ont un cœur qui est déjà disposé à recevoir les choses de Dieu. Et votre simple présence dans leur vie remue quelque chose en eux. Et c'est une très, très belle image des choses qui se passent spirituellement de notre cœur, nous qui avons Christ en nous, dans le cœur de quelqu'un peut-être qui n'a pas encore Christ. Jean-Baptiste, la Bible le démontre très, très clairement, c'était un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait un cœur pour Dieu. Élisabeth porte ce bébé en elle. Et il y a des gens autour de vous qui portent déjà en eux un cœur pour Dieu. Ils ne le connaissent pas, ils ne sont pas nés nouveaux, comme j'ai bien expliqué, mais ils ont quelque chose pour Dieu. Et ces gens sont remués. Peut-être qu'ils ne vous le diront pas, peut-être que c'est un collègue, mais j'aimerais vous encourager à, si quelqu'un vient vers vous, peut-être au travail, vous pose des questions, priez pour cette personne, prenez du temps, essayez de lui accorder un temps de qualité, dire on va aller boire un café ensemble. Il y a des gens autour de nous qui sont remués intérieurement parce que nous portons Christ en nous. C'est même aussi une très belle image d'un chrétien envers un autre chrétien, parce que Marie porte Christ, et Christ est la parole de Dieu. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à aller chercher une parole auprès du Seigneur, dans la prière, pas seulement dimanche à l'église, pas seulement une petite vidéo d'enseignement comme ça, oui, c'est très bien, mais plus. Vous êtes appelé à aller chercher un trésor de Christ, la parole de Jésus dans le secret, et il y a des gens autour de vous qui ont besoin de cette parole. Ça va être une parole d'encouragement, ça va être une bonne nouvelle, ça va être quelque chose qui va les attirer à Christ. Mais vous avez des frères et sœurs autour de vous, nous avons des frères et sœurs autour de nous, des gens qui aiment Dieu, des gens qui ont cœur pour Dieu, des gens qui cherchent une parole de Dieu, et Christ peut se servir de vous. Et c'est même au sens le plus simple, c'est prophétiser. Parce que la prophétie, c'est simplement, en hébreu, en grec, la prophétie, c'est simplement la communication de la pensée divine. Et Dieu veut se servir de vous, la Bible nous invite à aspirer à la prophétie, mais la prophétie, on n'a pas besoin toujours de dire « ainsi parle l'Éternel », on peut juste porter une parole de Christ en nous, et à un moment donné, avec un frère, une sœur, juste leur partager quelque chose, leur partager ce qui est en nous, la Bible parle de l'abondance du cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur, et parfois juste de partager avec les gens autour de nous ce qu'il y a en nous, une parole, Christ, la parole de Dieu, ça va sortir, ça va les encourager, et eux seront remués à leur tour. C'est ainsi que Dieu veut se servir de nous au quotidien. C'est un très très bel exemple de cela dans cette rencontre entre Élisabeth et Marie.